courte fin de Franck Fernandel. Franck Fernandel, né Franck Gérard Ignace Contandin, le 10 décembre 1935 à Marseille, est un acteur, chanteur, écrivain, animateur de radio et producteur français. Franck Fernandel est le cadet des enfants de l'acteur Fernandel. Après ses études au lycée, Thiers Fernandel débute au cinéma aux côtés de son père dans En avant la musique en 1962, avant d'être la vedette du film musical Chercher l'idole en 1964. Il tient le rôle d'Antoine Lartigue dans L'âge ingrat, réalisé par Gilles Grangier avec Jean Gabin et Fernandel. Il embrasse rapidement une carrière de chanteur avec un répertoire. Parmi ses titres les plus connus, on peut citer Fanny en 1963, Comme on change, Une marionnette, Les yeux d'un ange en 65, Un américain dans les... La fille du pêcheur en 72, Sweetie, Cherry My Love en 1973, La vie est rétro en 75, Les enfants, c'est comme les oiseaux en 76, Bilan 2, Les hivers bleus en 84, César, Fanny, Vincent et Fernand en 86, et enfin Bleu en 1995. Il fait des tournées régulières et au Canada francophone, où il reste premier au hit parade pendant 8 semaines grâce au titre Les yeux d'un ange en 1965 et Si on se tendait la main en 79. Pour l'anecdote, Bernard Edwards, bassiste et cofondateur du groupe Chic, joue sur l'arrangement de L'amour interdit en 82, réalisé au Sound Studio Los Angeles. Son est extraite, se vend à plus de 300 000 exemplaires entre 82 et 83. Parallèlement à sa carrière de chanteur, il devient animateur radio sur Europe 1, puis sur RMC en 77 à 80, dans les émissions L'Accent Tonique, 21h, minuit et Venez dans ma radio. C'est là qu'il rencontre l'animateur de La Haye, qui deviendra sa compagne dès 1980. Il l'épouse en 91 à Marseille. Franck Fernandel et Corinne de La Haye ont deux enfants, Vincent Fernandel, journaliste, chroniqueur, télé et metteur en scène, et Manon Contandin Fernandel, créatrice florale. Franck Fernandel a eu quelques problèmes avec l'alcool, au volant en état d'ivresse. Condamné pour abandon de famille en février 99 pour défaut de paiement de pension alimentaire, il est brièvement incarcéré. Et après Vincent est confié à la garde du père, Manon reste auprès de sa mère. La famille se reconstitue plus ou moins. Il résidait depuis toujours dans la villa familiale Marseille, dans le quartier Les Trois Lucs, une propriété achetée par son père en 34 que Franck a eu du mal à conserver au fil des années. Contrairement à la rumeur, Franck gestion des droits cinématographiques de son père, ni aussi pour l'autre rumeur qui prétend qu'il avait les droits des chansons interprétées par son père. Ce qui est faux, car Fernandel n'était pas auteur-compositeur, mais seulement interprète. Il meurt à Marseille, dans la nuit du 7 au 8 juin 2011, à l'âge de 75 ans. Le 11 juin 2011 à Aubagne, plus de 500 personnes assistent à ses obsèques. Incinérées et ses cendres déposées au Columbarium, case 92-66 du cimetière du Père Lachaise à Paris. Merci d'avoir écouté l'histoire de Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez